rendez-vous au temps du soir. Rendez-vous au temps du soir. Daniel, fille de songe, à Babylone, il vit de visions qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais à la fin, l'ange lui dit, ô toi Daniel, tiens secrète ces paroles, celle la prophétie jusqu'au temps de la fin. Daniel, fille de songe, à Babylone, il vit de visions qu'il ne pouvait pas comprendre. Remarquez, à la fin, l'ange lui dit, ou toi Daniel, tiens secrète ces paroles, celle la prophétie jusqu'au temps de la fin. Daniel, fille de songe, à Babylone, il vit de visions qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais remarquez, à la fin, l'ange lui dit, ou toi Daniel, tiens secrète ces paroles, celle la prophétie jusqu'au temps de la fin. Les gens lisaient cette prophétie, mais ne pouvaient pas aussi la comprendre. Mais à quand, Seigneur, sera-t-elle révélée? Oui, l'ange répond, rendez-vous au temps du soir. Quand elle sera révélée, plusieurs seront purifiés. Oui, rendez-vous pour le temps du soir. Rendez-vous au temps du soir. J'en fis une vision sur l'île de Patmos. Il vit un ange puissant descendre du ciel, s'écria d'une voix forte comme un rugit un lion. Oui, j'allais écrire, mais le roi du ciel lui dit, Jean, n'écris pas. C'est quand dit les sept tonnerres. Aujourd'hui les gens lisent cette prophétie, mais ne peuvent pas aussi la comprendre. Mais à quand, Seigneur, sera-t-elle comprise? Oui, l'ange a dit, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, tout le mystère de Dieu sera révélé. Là encore Dieu donnant un rendez-vous pour le temps du soir. Nanana. Rendez-vous au temps du soir. Point de suspense de la Bible. À quand, Seigneur, seront-ils révélés? Tout ce que le diable a arraché à l'église,
sait que les sauterelles ont dévoré. Oui, à quoi Seigneur relèveras-tu ce défi? Oui, Dieu répond, c'est au temps de la fin. Moi-même je descendrai et rétablirai toutes choses. Là encore un rendez-vous pour le temps du soir. Rendez-vous au temps du soir. Rendez-vous au temps du soir. Rendez-vous au temps du soir. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse mes frères David Life.